Salut guys, donc aujourd'hui je vais faire l'intro dans l'auto parce que je trouvais que le lighting était assez intéressant. Dans le fond, je voulais juste vous annoncer qu'aujourd'hui on va avoir un invité assez spécial. Voici mon papa. Ça va, ça va. Dans le fond, mon père va devoir aller acheter deux de mes outfits. Vous ne savez pas à quel point il va jamais magasiner, ok? Il magasine probablement une fois par année, puis avec moi une fois aux 8 ans. C'est vraiment une journée spéciale, mais ça l'a vraiment fait du bien. C'était vraiment cool de passer du temps avec lui. Fait que sans plus attendre, allons voir ça. Ouais. Ça prend tout. Un dimanche matin pluvieux, en effet, pour que je vienne ici passer un peu de temps avec ma fille à magasiner. À tantôt. Bon, mais je vais vous avouer que j'étais un petit peu perdu ce matin dans un centre d'achat. Que je fasse un petit peu de magasinage, trouver quelque chose de beau pour ma grande fille. Alors, allons-y, on commence. Alors oui, je commence ici. J'ai hâte. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du magasin. Ouais, je vais vous avouer, là, c'est vraiment pas évident. Même si je regarde partout, c'est quelque chose de difficile. Mais bon, je vais le réussir quand même. Il n'y a pas de problème. Bon, je pense que j'ai trouvé la pistop. Là, maintenant, il faut que je marche. Peut-être avec une paire de jeans, bien. J'ai trouvé maintenant, je vous le montrerai pas tout de suite, plus tard. Ouais, ben voilà sur la promenade. On va faire un petit tour au magasin. On va essayer de trouver quelque chose d'intéressant encore une fois. Je reviens tantôt. Bye. Ouais, ça a été des courtes durées, mais ça a été très bon comme choix. Je pense qu'elle va aimer ça. Alors, continuons notre tournée dans ce grand centre d'achat. Me revoilà. Je suis dans un autre magasin. C'est pas évident, mais on va réussir à trouver encore. Je commence à m'habituer à trouver des choses pour ma gamme. Ouais, un autre de fait, mais pas grand-chose que je pense qu'elle aimerait. On va continuer d'explorer. On va aller vers d'autres horizons. Oh, commence à faire soleil, temps de retourner à la maison. Case départ, on revient au magasin du début. Vraiment pas chanceux chez Aetitia. Aetitia, on peut pas vraiment retourner le linge, alors je vais continuer mon tour. On va aller faire un tour chez Gap. Tiens. Eh bien oui, l'aventure est maintenant terminée et je vais rejoindre ma grande. Et ensuite de ça, elle va vous présenter ses outfits bientôt à l'écran. Merci, à la prochaine. T'as pas besoin d'être sérieux de même. Donc, on est revenu du magasinage. Puis là, mon père a vraiment pris sa patience à deux mains pour m'acheter deux outfits. Donc, un outfit qui était plus casual, puis l'autre c'était plus... un petit peu plus funky. Puis, honnêtement, il a travaillé fort. C'était comment ton expérience, mettons? Premièrement, magasiner pour moi, c'est déjà difficile. Alors, imaginer pour ma fille, mais ça a bien été. J'avais des idées, puis en rentrant dans le magasin, ben, tu vois un peu. Tu penses à ce qu'elle porte déjà, puis après ça, tu es capable d'avoir une idée de. De t'inspirer de mon style. Ouais, exactement. Mais c'est difficile, tu sais. Tu n'oses pas aller dans les couleurs. Trop flyé parce que t'as peur qu'elle soit. Tu sais, bien fait, c'est quand même classique un peu. Puis, ok, fait que mon style, tu décrirais ça comme un style classique. Classique, je sais que t'es fière de toi, tu sais. Puis. Puis que t'aimes ça aussi être dans le mou un peu, tu sais. Puis. Ouais. Fait que, tu sais, c'est être deux, confortable. Deux. Puis, ouais. Ok, c'est bon. On va vous montrer le premier outfit. Par lequel outfit t'aimerais commencer?
Je commencerai par le outfit, le premier que j'ai acheté. Ok. C'est pour, c'est plus un outfit estival. Ok, donc tu peux sortir. C'est okay. Lequel? Ah, oh, c'est Gap en premier? Ah oh, non, c'est H&M, ok. Alors, ça ici, c'est une blouse. Ok. J'espère que tu fais bien. Oui, c'est un cap. J'ai oublié d'enlever le prix, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ah, oh, c'est beau ça! Ah oh, oui, ça me fait, c'est sûr. Je vais vous montrer les outfits en try-on après, vous allez voir. Ah, oh, c'est beau, ça va être très Portugal, ça. Et ça, c'est des petites shorts blanches. J'avais besoin d'une short blanche en plus. J'espère que c'est bon, c'est très difficile à l'avoir. 8, ça devrait être pas si pire, ça. Cool! Honnêtement, c'est très moi comme style. T'es vraiment bien ça, fait ça. Ça fait plaisir à la caméra, pour de vrai? Non, pour vrai, je porterais... Okay. Ben là, tu le sais que je porterais ça bleu puis blanc. Tu peux te montrer l'autre? Oui, je peux te montrer l'autre. Mais l'autre, c'est pas un outfit, là, si... Ça vient de ce magasin-là, là. C'est pas un outfit. Ben oh, ça, non, c'est ça. T'as Body and Beach. Ça, c'est juste pour mettre pour par-dessus un costume de bain quand tu vas à la plage. Oh my god! Pas que les... Ça, c'était pas ça, j'ai pas demandé ça. Pour pas que les collègues te regardent trop, là. Les requins, tu dis. Okay, okay. Alors, le deuxième outfit. Ça, c'est... Non, il est allé au Gap. Notons que je vais jamais au Gap, mais je pense que ça devrait être pas si fait haut ou un chandail blanc. C'est-tu? J'ai-tu vu? Ça, c'est très beau. Très... C'est un pas mal un classique, un chandail blanc. Des pantalons. Et jeans. Fait que ça, c'est plus école. Stretch. Stretch. Okay. C'est pour moi, ça. Quand c'est pas. Ok, fait que des 29, c'est peut-être un petit peu grand, mais on va essayer ça. Puis c'est vraiment une classique cut, j'en ai pas comme ça, exactement cette couleur-là. Ouais, je me demandais si... Puis ils sont... C'est-tu taille haute, ça? Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense que... Ben en tout cas, ça a pas l'air taille basse, ça fait que ça, c'est good. Ah, c'est beau, c'est très beau. Ça te fait. Pour le premier outfit, dans le fond, la chemise me faisait super bien. J'ai juste été échanger les shorts pour une taille plus petite parce qu'elles étaient un petit peu trop grandes. Pour le deuxième outfit, le chandail allait super bien. Les jeans même étaient parfaits pour ma taille. Et je vais rajouter une petite ceinture pour que ça soit bon. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Puis, j'aimerais vraiment remercier papa qui a été super bon. Merci papa pour cette belle journée de magasinage. Pas trop de fois. Non. Pas mal une fois aux 8 ans, comme je disais dans l'introduction. Merci beaucoup tout le monde pour avoir regardé la vidéo. Subscribe, like, parce que vous savez que ça l'aide beaucoup. Puis ça, si vous voulez aller voir, ben en fait, papa, il n'y a pas vraiment d'Instagram, il y a un Facebook, fait que c'est Denis. Dans la barre de commentaires, dites-moi ce que vous avez le plus aimé de la vidéo, c'était quoi votre outfit préféré. Puis on va se revoir la prochaine fois. Bye!